Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat. Le thème qui concerne la paix, la sécurité et le développement est vraiment un thème important. Dans la mesure qu'on a besoin de paix, la paix est synonyme de prospérité. Et pour avoir la prospérité, on a besoin du travail. Le travail qui est synonyme de développement. Le développement est essentiel. Avec notre partenaire historique qui est la Chine, les pays africains peuvent espérer avoir des projets communs pour qu'on puisse développer des idées dans l'intérêt des pays de l'Afrique. Quand il y a la paix, on peut aspirer au développement. Pour ce qui concerne la sécurité, je l'aborde sur le plan de la sécurité alimentaire, toujours dans le cadre de l'élaboration de projets communs dans le sens de la sécurité alimentaire. Plusieurs pays africains ont des problèmes de sécurité alimentaire, si je peux dire la plupart des pays africains. Donc, avec l'élaboration de projets communs, nous pouvons garantir la sécurité alimentaire dans ces pays africains. Donc, j'insiste surtout sur le développement de projets entre les pays de l'Afrique et notre partenaire historique, qui est la Chine. Donc, le subassement de tout, c'est la paix. Quand on a la paix, on a une sécurité qui est déjà là. Et quand on a la paix, on peut aspirer au développement dans ces pays.